l'église Saint-Hilaire entre dans le cadre du patrimoine cultuel dont la physionomie et les besoins répondent à des situations très variées. Un patrimoine religieux dans sa triple dimension. Un lieu de liturgie, un témoin de l'histoire et un enjeu attractif touristique. Un orgue comme moyen d'élévation spirituelle de l'homme. Les nouveaux accents inventifs de l'instrument dans sa conception originale, grâce aux idées du facteur d'orgue Rémi Mahler, permettront un support des cérémonies religieuses, messes, mariages ou sépultures, en respectant la véritable dimension et la véritable mission demandée aux organistes liturgiques, l'accompagnement dans la discrétion et l'humilité. Un orgue, œuvre d'art, comme témoin pour les générations futures. Le meuble ou buffet d'un orgue s'impose dans les lieux de culte autant qu'un beau vitrail ou même qu'un carillon perché tout en haut d'un clocher. Cet instrument sera le témoin marqué d'un moment et durera, portant ainsi le souvenir d'une communauté et d'un lieu à travers les siècles suivants. Un orgue comme moyen de développement de l'offre touristique et économique. En dotant l'église Saint-Hilaire d'un orgue aux accents nouveaux et inventifs, nous pouvons faire de ce lieu une des attractions majeures de notre commune et du pays des Olonnes. L'originalité et la diversité des couleurs de cet instrument attireront les organistes et les amateurs. On peut envisager même des enregistrements de CD par des organistes professionnels. C'est aussi répondre positivement à un enjeu de démocratie culturelle dans un espace déjà très urbanisé et appelé à connaître le plus fort taux de développement démographique du secteur dans les prochaines années. Un orgue comme ouverture de l'apprentissage musical. Faire un instrument qui puisse favoriser l'apprentissage et le perfectionnement de l'art musical pour le plus grand nombre de jeunes et de moins jeunes, et ainsi révéler des passions qui permettraient de combler la pénurie actuelle d'organistes due au manque cruel d'instruments attractifs pour les jeunes musiciens. Cet instrument constituera l'essentiel même de la notion de partage. Il sera à la fois l'accompagnateur discret d'un culte et d'une croyance. Il sera le témoin d'un partage d'idées et de moyens qui n'a d'autre but que d'aboutir à la beauté d'une réalisation commune. Il sera le support et le vecteur novateur et inventif d'un apprentissage instrumental et d'une possibilité d'ouverture vers de nouvelles compositions et interprétations, car l'orgue ne peut se contenter du répertoire déjà existant. Il doit s'enrichir et témoigner de son temps à travers des œuvres contemporaines, accessibles techniquement et musicalement. Ce projet est donc l'affaire de tous. Particuliers ou entreprises, votre soutien sous forme de dons et selon vos possibilités sera décisif pour le succès de l'opération. Outre les avantages fiscaux auxquels vous pouvez prétendre sous certaines conditions, votre nom figurera sur la liste des donateurs qui sera publiée par l'association, sauf pour ceux requérant l'anonymat. Pour les sociétés, c'est aussi l'occasion de donner une image positive de l'entreprise tout en bénéficiant de la couverture médiatique de l'action. Au-delà d'un certain montant de dons, c'est encore la possibilité d'obtenir des places gratuites à offrir à vos clients privilégiés lors des concerts organisés ultérieurement,
par l'Association pour l'animation et la promotion de l'Église Saint-Hilaire.